Étant parmi les premières figures qui ont fait le casting de scènes de ménage dès ses premiers épisodes, Gérard Hernandez est sur le point de disparaître de la scène une bonne fois pour toutes. Autrement, cette série diffusée sur M6 en était en quelque chose en l'accès de ce vieil homme en monde de la télé. Dépassant les 87 ans, sa santé inquiète du jour au lendemain. Au fil du temps, il perd la maîtrise de son métier. Cet Espagnol, natif de Valladolid en 1933, a toujours déclaré dans ses interviews qu'il est si fortuné d'avoir fait le casting de la fameuse scène de ménage. C'est grâce à cette série, au fait, qu'il s'est trouvé du job constant. Avec Marion Guême, il constitue un couple vieillard envers lequel les fans de la série ont une affection bien distinctive. Voir ce couple charmant hors le feuilleton sera, dans un autre lieu, très influent sur les spectateurs. L'état de santé actuel de Raymond est trop déconcertant. Physiquement, il est dans le pire des états, bien loin de sa forme. D'après ce qu'il a déclaré sur Non Stop People, il avait éclairci sa situation critique. L'unique chose qu'il peut plausiblement encore contrôler, c'est son esprit. Mieux que rien de toute façon. La vieillesse pour lui serait comme un naufrage inévitable. Quoiqu'il s'approche progressivement de sa fin, cette figure symbolique du feuilleton ne craint guère la mort. Le compagnon de Hoguette n'aime du tout passer de mode, pourtant il se réjouit énormément de sa vie. Comme cela, par suite de la plaisanterie, il parvient à se cohabiter avec ce qu'il est en ce moment. Il paraît que tout le fait souffrir et cela même le temps ne peut l'arranger. Pourtant Gérard Hernandez craint son épouse Micheline assez vieillissante que lui. Au fait, il craint la perdre ou de l'avoir éprouvée. Néanmoins, il tient à ne pas évoquer ce sujet afin de ne pas compliquer la situation. Pour raison de son vieillissement, Raymond demeure catégorique et s'exprime avec autant d'enthousiasme. Afin d'éviter de trop se soucier de l'avenir, il est préférable de rester connecté à aujourd'hui et l'apprécier amplement.